Sébastien, vous venez de jouer un petit morceau. C'est quoi votre instrument? Cet instrument s'appelle le ngoni. D'accord. Qu'est-ce que c'est comme une harpe aussi ou une C'est ça, guitare? c'est une harpe africaine qui est construite avec un fruit sec qu'on appelle une calebasse. Oui. Voilà, puis une peau de chèvre et du bois. Et du fil de pêche, du coup. Alors, Sébastien, comment vous en êtes arrivé à faire ce genre de musique? Parce qu'on tombe pas comme ça dans une soupe. Eh, ben là, pour le coup, je suis un petit peu tombé dans une soupe. C'est une aventure qui m'est arrivée quand j'avais 23 ans, après un retour de 2 ans de voyage. Et je me suis mis à entendre du son, à voir du son. Et j'ai passé un petit temps à penser que je devenais un peu fou parce que tout était sonore, tout était devenu sonore, c'était très particulier. Et puis, voilà, c'est comme si on m'avait implanté une disquette à l'intérieur. Et j'ai demandé de l'aide. À l'époque, j'ai rencontré Alim Sylvain Safedi, qui est un maître du son, maître des tablas, et qui m'a un petit peu accompagné sur le début du chemin à comprendre un petit peu cette aventure. Et bah, je me suis lancé d'abord par la fabrication des instruments, parce que je suis d'abord passé par la fabrication, et puis après par le jeu, et tout en intuitif, en autodidacte. J'ai des difficultés, je peux pas apprendre, jouer un morceau connu ou quoi, c'est quelque chose qui m'est pas encore possible. Voilà. Chaque chose a sa place, chaque chose en Voilà, son temps. Mais exactement. c'est vrai que c'est extrêmement mélodieux et ça touche l'âme. Ça, c'est exactement ce que vous essayez de faire. Oui, pour moi, le son, il m'a amené vraiment à toucher mes paysages intérieurs, qu'ils soient du côté dit de l'ombre ou de la lumière, et à révéler et à guérir énormément de choses. Et Donc on peut guérir à travers le son. oui, D'accord. l'art en particulier, mais le son touche quelque chose en particulier. Le son nous ramène à l'harmonie. Je pense qu'il n'y a aucun être sur Terre qui n'est pas doué d'harmonie, et le son nous révèle ce potentiel et nous amène à dépasser nos propres limites. Quand on dit bah, je sais pas chanter, je sais pas ci, je sais pas ça, je suis incapable, des instruments comme celui-ci, comme le dulcimer ou comme d'autres qu'on verra tout à l'heure, sont des instruments intuitifs et ils demandent juste la confiance en nous et puis le lâcher prise. Vous allez jouer dans cette soirée de concert que vous allez nous faire le 10, le 11 octobre à 20 h. Combien d'instruments? Ah, ça dépend, il y en a entre. J'ai une cinquantaine d'instruments, mais j'en amène généralement entre 4 et 8. C'est déjà pas Et mal. voilà, et ça dépend de l'ambiance, voilà, ça dépend des personnes présentes, ça dépend de mon humeur, ça dépend un petit peu de tout. C'est toujours de l'improvisation, donc je définis jamais à l'avance ce qui va se passer. Alors je sens qu'on va vraiment immerger dans un lac extraordinaire avec les sons. Alors merci beaucoup Sébastien, on va vous écouter sur d'autres instruments. À tout de suite. De cet instrument Cet instrument, c'est un didgeridoo. qui vient d'où? Origine aborigène, Australie. Australie. Voilà. D'accord. Donc c'est vous qui l'avez Aussi celui-là, ouais. fabriqué, pardon. Fabriqué, ouais. C'est en fleur d'agave. Ouais. En...
Ouais, c'est une tige de fleur. D'accord. Il y a différents bois. Hein, parce que traditionnellement, c'est fait en eucalyptus. Mm-hmm. Et puis aujourd'hui, il y a pas mal de fabricants et de constructeurs de didgeridoo un petit peu partout dans le monde. Mais voilà, j'aime travailler la fleur. Ouais, je trouve que c'est quelque chose d'assez magique. Magique, facile aussi à travailler. Puis c'est des instruments qui, du coup, sont uniques. La fleur d'agave pousse une fois tous les 6 à 12 ans et finit par mourir. En fin de compte, toute la feuille donne la sève à la fleur. Puis à la fin, tout sèche et tout meurt. Donc pour moi, c'est une fleur qui représente le phallus voilà, chez les Aztèques et aussi la puissance. Et c'est des instruments qui sont très légers et faciles à fabriquer, à travailler. Et du coup, je fais pas mal de stages de construction, de fabrication comme ça avec des jeunes ou avec des personnes qui ont envie de venir découvrir. Donc vous faites des stages. Ouais. Des stages au niveau de la fabrication ou simplement le développement du son, de la formation, de la communication consciente aussi. Pas mal avec les enfants, je fais beaucoup de voyages sonores dans les instituts pour personnes en situation de handicap, dans les écoles, dans les centres de loisirs aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous allez nous expliquer dans la conférence que vous donnerez à 15h le samedi 11 mars au Casino de Montreux, bien sûr? Alors, je vais expliquer au niveau du fonctionnement de la mémoire cellulaire, en fin de compte, hein, depuis que le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent quoi, pour créer l'être. Et le fait que on est 100% nous-mêmes, mais on est 50% de nos ancêtres, qui eux sont 50% de leurs ancêtres. Donc, à chaque fois, on diminue. Donc, on vient souvent avec une charge et des difficultés qui ne sont pas forcément liées qu'à nous-mêmes ou dans cette vie-ci. Donc là, je fais une explication sur comment ça fonctionne dans notre corps physique, dans notre corps énergétique, au niveau de la trame et la relation de la coopération à soi, où on ramène le mental au cœur, l'émotionnel au cœur, pour pouvoir simplement, dans ce rapport, dans cette coopération à soi, s'ouvrir une autre porte de guérison. Parce que pour moi, la guérison de l'être est d'abord... se recentrer sur son soi et sur cette coopération où on rassemble le haut et le bas dans notre centre, ce que j'appelle aussi le point zéro, pour pouvoir rayonner se découvrir. C'est merveilleux. Donc en fait, 15h la conférence, oui. Et ensuite à 20h le concert. Le voyage sonore et olfactif. Parce le voyage, c'est tellement joli. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Sébastien, on a beaucoup Merci de plaisir bien. Et on se réjouit de vous voir. Au Salon du Bien-être, au Casino de Montreux, en 2027, du 10 au 12 mars. Merci Sébastien. Plaisir. C'est beaucoup mieux. Ouais. Alors, le son et tout, énergétiquement, c'est meilleur.
C'est quoi, Sébastien? C'est une flûte du Vietnam, ça s'appelle un uluzi. C'est très Ah, joli comme c'est une. nom, en tout cas poète. C'est une flûte à hanche et à bourdon. À hanche et à bourdon. Ouais, dedans il y a une petite hanche en métal qui permet de faire fonctionner les bourdons et le son. Puis après ça D'accord. fonctionne comme une flûte, tu souffles dedans, tu bouches les trous et voilà, c'est simple. Bien, on va entendre un petit morceau.